C'est Bobin, bienvenue sur ma page Bobin Loisirs. Sur cette vidéo-là, ce qu'on va voir, ça va être quand je suis parti de la côte nord à m'en aller à Québec chez mon frère. J'ai resté là une couple de semaines avant de partir. Oh, j'ai oublié de vous montrer Monsieur Patate. L'histoire de Monsieur Patate. Monsieur Patate, pardon. Monsieur Patate, je l'ai acheté il y a environ 12-15 ans. Moi, 12 ans. Quand je suis rentré dans les forces au début, quand j'ai été posté de Borden à m'en aller jusqu'à Chilliwack, j'étais tout seul. Fait que j'ai dit, bah, ça me prendre un copilote, quoi que ce soit. Fait que j'ai trouvé un monsieur patate. J'ai fait des petites lunettes, mis ça tout noir, tout ça. Fait que depuis tous mes postings, c'est lui qui me suivait. Il était avec moi comme copilote dans ma voiture. J'ai décidé sur mon voyage, de l'amener avec moi, puis de le mettre en arrière sa moto. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui m'en parlent, que dans le trafic, ça m'arrête, puis qui me jase de Monsieur Patate. Fait que je pense une manière que le monde commence à me parler là-dessus, puis après ça, je peux vous parler un peu de mon voyage, puis tout ça. Fait que sans plus attendre, je vais vous montrer une vidéo, puis on se revoit après. Bye!
Rendu avec Monsieur Patate, finalement à Québec, ça a été une longue ride. Fait que c'est ça le vidéo, un petit vidéo court. Il n'y avait aucune moto là-dedans. C'est quand je suis parti, comme je disais, de la côte nord pour me rendre jusqu'à Québec. Chez mon frère, j'ai resté une couple de semaines. Sur ça, ben, on va se voir sur le prochain vidéo qui va être quand je suis parti de Québec pour me rendre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis j'ai arrêté dans un petit musée, là, je vais vous parler de ça la prochaine fois. Fait que si vous avez aimé ça, ben, mettez une mention j'aime, vous pouvez vous abonner, laisser des commentaires. On se voit la prochaine fois. Merci, bye.